à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Putain, j'ai fait vidéo. La sirène des policiers vient de se mettre à fond. Ça, ça annonce de la couleur, hein, ça annonce. Hein. La nouvelle playlist s'appelle le plus gros point faible du fit game. Et à chaque fois, on a un épisode et à chaque fois, on a un YouTuber. Le YouTuber que j'ai choisi aujourd'hui, c'est un YouTuber qui a fait des génocides. C'est un YouTuber qui a créé une vague, d'accord? Un YouTuber qui est inspiré par Zeus. Un YouTuber qui a fait parler de lui. Avec Paige Hathaway, un YouTuber, voilà, qui a percé quand même. Efkan Kurnaz, From Human to God, les amis. J'aime bien ces vidéos, franchement. Il y a des vidéos que j'ai regardées, franchement. À l'époque, je regardais un peu les autres YouTubers, ce qu'ils font, machin, etc. Mais sauf que je tiens à préciser que cette playlist-là, elle n'est pas là, ni pour insulter, ni pour manquer de respect aux autres YouTubers, mais c'est de donner à vous, derrière la caméra, peut-être vous êtes fan de Efkan Kurnaz, une idée de son plus gros point faible et aussi une solution pour moi qui est coach sportif. Je ne suis pas le meilleur coach du monde, je n'ai pas le meilleur physique, voilà, je ne suis peut-être pas le meilleur placé, mais j'ai eu l'idée, j'ai dit je le fais. Peut-être, voilà, des fois, il faut avoir les couilles de faire les choses, les amis. Je sais que je vais être critiqué, je sais qu'on va mettre des pouces. Franchement, ne cassez pas votre téléphone, ne bloquez pas ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. On est là dans la joie et dans la bonne humeur. Si vous, derrière la caméra, vous êtes dans le même cas que Efkan Kurnaz par rapport à son point faible, et si vous le suivez, moi, je vous donne un astuce. D'accord, les amis? Pour vous, testez-le. D'accord? Peut-être Efkan, il va regarder cette vidéo-là. Il va aussi peut-être le tester. Qui sait? Un grand passionné de musculation aussi, Efkan. Il a fait énormément de vidéos, génocide, etc. Bien travaillé, bien élaboré. Franchement, il faut applaudir le respect, plutôt applaudir la carrière qu'il a eue sur YouTube jusqu'à aujourd'hui. Les amis, je vais vous poster. Donc aujourd'hui, j'ai pris le temps d'introduire un peu. À partir d'aujourd'hui, pour les autres épisodes, les vidéos, ils vont être un tout petit peu plus rapides. On pose quelques photos, d'accord, de son Instagram. Vidéos aussi, parce que les vidéos aussi, ça rend pas comme les photos, parce que les photos, peut-être, ils sont congestionnés, un peu retouchés, etc. Mais les vidéos, ça ment pas, les amis, d'accord? Je vous poste quelques photos et quelques vidéos. Moi, alors, je vous le dis clairement, le plus gros point faible d'Efkan Kurnaz. Je vois les gens, ils sont en train d'attendre, roulement de tombeau. Mais avant, moi, je vais dire, qu'est-ce qu'il a comme point fort? Qu'est-ce que j'aime bien dans son physique? Des bons bras, des bons pecs, des bons trapèzes. Franchement, au niveau du dos aussi, il a un dos volumineux, mais il peut s'élargir encore. Des bonnes cuisses. Je l'ai vu faire des vidéos squat et tout ça. C'est quelqu'un qui lève quand même et qui a de la force. Mais les amis, à côté de ça, son plus gros point faible qu'il n'arrive pas à rattraper ou qu'on voit directement quand on est coach sportif, quand on est dans le milieu, c'est les épaules. Tellement il a de trapèze que sa morphologie elle est en triangle. Les épaules, regardez les photos que je vous envoie, ils sont vraiment en retard par rapport à ses bras. Et ça, c'est très très compliqué. J'étais dans le même cas que Efkan Kurnaz il y a quelques années. Mais sauf que dans ma tête, je vous explique, avant, j'aimais pas travailler les épaules parce que ça faisait mal. Mais c'est un petit muscle, n'oubliez pas, il fatigue vite. Et ils peuvent se blesser aussi rapidement si on ne travaille pas les épaules correctement, on les échauffe pas. Ils n'ont pas la même résistance qu'un autre muscle comme les cuisses, les pecs, les bras, le dos. C'est un petit muscle à surveiller les amis. Parce que si vous voulez blesser à l'épaule, ça va être très très compliqué de réparer tout ça. Parce que tous les mouvements que vous allez faire, ça va être très très compliqué de les gérer si votre épaule elle est blessée. Toujours un bon échauffement, les amis, et un travail bien concentré, ne pas charger comme des brutes, pas de faux mouvements, faites attention à vos épaules. Et préservez-les, c'est hyper important si vous faites de la muscu. Efkan Kurnaz, les épaules, ils sont en retard. Que ce soit le fuseau latéral, ou par exemple le deltoïde antérieur, ou l'arrière,
Il est vraiment en retard et ça se voit. Regardez-les dans les photos. Vous voyez très très bien que, franchement, qu'ils soient en prise de masse ou qu'ils soient en sèche, on voit très très bien que les épaules, ils sont en retard. Les amis, ils sont pas arrondis. Naturellement, on peut avoir des épaules un peu arrondies, mais si avant on travaillait pas les épaules, pourquoi? Parce qu'ils faisaient mal et que les séances épaules, ils sont vite faits. Ils sont pas comme les séances pecs, on se démolit les pecs pour avoir des pecs en mode molle golfière. Ils sont pas comme les séances dos. Il faut que toutes les séances soient pareilles, mais travaillez intelligemment et préservez vos muscles, les amis. Sauf que là, les bras, les biceps, ils sont en place. Et c'est ça, les biceps et les avant-bras, ils kiffent ça, lui, Efkan Kurnaz. Et vous les voyez dominants, mais sauf que les épaules, ils sont en retard total. Regardez la vidéo que je vous poste. Dans la vidéo que je vous poste, on fait un style de posing où il veut montrer ses biceps, mais sauf que regardez les épaules, ils sont quasi absents. Ils sont là, ils sont quasi absents. Et du coup, comme il est focalisé à fond sur les bras, sur les biceps, les épaules ne peuvent pas se développer. Moi, le conseil que je vous donne, si vous êtes dans le même cas que Efkan Kurnaz, c'est hyper important de faire une séance épaule où vous travaillez surtout avec la sensation, où vous essayez de charger, de travailler en pyramidal, de bien les cibler, pas les épaules, il leur faut pas des séances hyper longues. Quatre exercices, vous pouvez les trouver, les amis, les exercices, un peu de recherche sur Google, ou les amis, regardez un peu mes anciennes vidéos sur YouTube, sur la chaîne Maître Cal, etc. Quatre exercices, ça suffit largement. Et surtout, ils font un deuxième rappel dans la semaine. C'est ce que je fais moi. Limite, des fois, je me fais 2-3 séances par semaine pour pouvoir rattraper les épaules. Et ça a payé en 2-3 ans, ça a payé. Il faut, les amis, il faut pas lâcher l'affaire. Sinon, on va voir que au niveau de la carrure, au niveau des t-shirts, au niveau visuel, le retard, il est là chez Efkan Kurnaz. Si vous êtes dans le même cas, les amis, c'est ça l'astuce que je vous donne. Travaillez les deux fois. Une fois en séance principale, une séance de 40 minutes, ça suffit largement, les amis. Franchement, les exercices, vous pouvez trouver le développé militaire, les élévations latérales, les élévations frontales. Vous pouvez faire ça à la poulie, à la barre, avec les haltères, les amis. L'arrière, l'oiseau assis, à la machine en butterfly réversible. Tout ça, les amis, vous les appliquez deux fois par semaine, une séance principale et un rappel, et ça va vous aider énormément à développer vos épaules et surtout avoir des... C'est pas parce qu'on est des naturels qu'on ne peut pas estimer avoir des épaules. Je vais pas dire en noix de coco. Allez, une petite pêche ou une petite orange, les amis. Ça, c'était le premier épisode. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Dites-le-moi dans les commentaires. Je ne suis pas là pour blesser. Je ne suis pas là pour dire qu'il a un physique de merde. Il a un très très bon niveau. D'accord, les amis? Je ne suis pas là pour dire que, ouais, il faut pas suivre, machin, etc. Non. Je suis là juste pour, de point visuel, de point professionnel, dire qu'au niveau des épaules, il peut encore se développer et c'est le point faible le plus dominant dans son corps, les amis. Dites-moi dans les commentaires, vous voulez qu'on vous fait quel youtubeur pour la prochaine fois? J'ai ma petite idée, mais dites-le-moi dans les commentaires, les amis, et je ferai ça avec plaisir. Et j'attends votre avis à vous dans les commentaires. Suivez-moi sur mon Instagram, Maître Cal. Et pour les coachings, les amis, n'oubliez pas que pour les coachings à 300% personnalisé, les 6 mois, c'est 300 euros, les amis. 6 mois de régime alimentaire, de programme d'entraînement, de suivi, suivant l'objectif que vous cherchez, avec une analyse morphologique gratuite. Demandez-la au numéro de téléphone 07 77 68 49 24. N'oubliez pas, les amis, que nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, motherfuck, à 300%. Peace!